Bim te flou bi kwen chè yon me le 27 novembre la. La vie elle m'a dit qu'il y a Lana il quoi il va aller parler de l'escriture. Salut mes papateurs et mes papateurs, sortez au pays, les chauds pays, là veut prendre feu. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand Malika Laslami se réveille, le... Voilà, il faut m'expliquer parce que moi-même j'attends l'histoire là, mais je comprends pas ce qui s'est passé réellement. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis de bonne humeur, hein. Attends, je vais poster une photo sur Facebook. Ouais, en tout cas, ça a été une photo très maudite. Mais parle-moi du contenu même de la photo, c'est ça que je veux comprendre. Mais oui, c'est clair. Et la jeunesse d'aujourd'hui est plus friande de revendications que de travail. En tout cas, je sais que je vais baiser. Mais en français facile, qu'est-ce que cela même veut dire au juste? En français facile, ça veut dire qu'on aime se plaindre et puis on ne veut pas travailler. On n'aime pas travailler. Ah. Une jeunesse même qui se bat jour et nuit pour avoir à manger et puis on vient les dire comme ça. Au lieu de les encourager, vous les découragez. Raconte le reste. Quand les gens commençaient à l'insulter. Ah bah, que quoi? Que même si tu manges à la présidence, là, c'est pas comme ça. Faut pas venir dire du n'importe quoi sur Facebook. En tout cas, mais voilà, vous êtes le milliardaire. Vrai ou non? Ah, c'est pas partout. Les gens veulent pas travailler. Faut aller à l'UO. C'est là, là, tu vas comprendre ta douleur. Tu vas passer 3 ans d'études, là. La licence, ça fait 3 ans. 3 ans d'études, là. Tu vas faire ça en 7 ans, 8 ans. Faut prier Dieu, même ça, c'est quand tu redoubles pas. Si tu as redoublé, là, faut dire que tu as, et tu vas faire 10 ans là-bas. Donc, imagine, tu finis ta licence, tu vas dire, bon, je vais continuer. Tu continues encore, tu vas avoir ton master, tu sors pour être parkour. Ou bien, pire encore, tu sors, tu cherches travail, il n'y a pas de travail. Vraiment, des... T'as pas fait, alors. Avis à toute la jeunesse. Vous voyez, c'est très décevant. Et ce que je déplore là, c'est que c'est pas ce que Malika a dit, mais derrière là, c'est que ce qu'elle côtoie là, qu'est-ce qu'eux pensent de la jeunesse burkinabé? C'est ça le problème. Les mises, les autres qu'elles s'assoient et boivent ensemble et puis trinquent ensemble là, qu'est-ce qu'eux pensent de la jeunesse burkinabé? Au fait, elle a traduit ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent qu'elle a traduit littéralement comme ça. Vous comprenez? Donc imagine, bon, imagine le ministre même qui est chargé même de résoudre même le problème du chômage là, s'il s'assoit et puis il parle avec ça à Malika et puis elle sort, on suppose, hein, et puis elle sort pour dire ça, imagine, est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils sont en train de réfléchir pour nous sortir dans la merde que nous sommes? Vous voyez, au fait, il faut qu'on regarde loin, voilà. Donc, l'heure n'est plus à parler beaucoup, le mal est déjà commis, voilà. Et bon, on peut pardonner, hein. Bon, on peut pardonner, bon. On est tous burkinabé, l'erreur humaine. Mais la faute est assez grave. Et moi, j'ai toujours rappelé que le pays, là, c'est pas le patrimoine culturel de papa de quelqu'un. Au fait, il y a des gens qui croient que la réussite, là, ça se résume à un cercle de personnes. Genre, si c'est pas ce cercle de personnes, la personne d'autre ne doit réussir, quoi. Et lorsqu'on a déjà réussi, bon... On sort, on pense que celui-là même qui n'a pas encore réussi, là, c'est parce qu'il n'est pas utilisé, mais c'est parce qu'il ne travaille pas. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé une porte de sortie. Sinon, tout le monde combat. Et tu peux faire un tour à lui même pour voir comment la jeunesse souffle là-bas. Moi-même, des fois, même quand j'arrive à l'université, là, j'ai l'impression que les docteurs même qui enseignent les étudiants, ce sont des photographes. Mais à peine même tu rentres là, apparemment, tout le monde est devenu photographe pour avoir les pains à manger. Vous voyez? Donc, c'est très décevant. Donc, avant de faire sortir ces propos-là, moi, je vous exhorte franchement de réfléchir avant de parler. Sur ce, attends, je vais aller dormir. Oh. Sinon, Mali, quand même, risque de venir ici, dit non, qu'on passe notre temps à faire des vidéos au lieu d'aller travailler. Ciao, c'était Taco la joie. N'oubliez pas de vous abonner.